Bien, depuis des décennies, la CCI de Paris accompagne les porteurs de projets à la création, antécréation, la création d'entreprise. Grâce aux conseillers que nous avons au développement de l'entreprise, avec les différents métiers de l'entreprise, jusqu'au développement et également, ce qui arrive bien souvent, c'est la transmission des entreprises, soit parce que un chef d'entreprise va partir à la retraite, ou soit parce qu'il va la vendre et la revendre à un autre entrepreneur ou une autre entreprise ou un autre porteur de projet qui va reprendre une entreprise. Et on accompagne tout ce mouvement-là. Ce sont des milliers de personnes qui poussent la porte de la Chambre de commerce de Paris. On les accompagne également dans tout ce qui est aujourd'hui transformation digitale à travers les digiteurs. Là, ce sont pour l'ensemble des commerces et des entreprises à Paris, mais les entreprises d'Île-de-France également. Et les digiteurs, c'est un outil que nous avons de dématérialisation et de formation à la transformation digitale, qui est un enjeu capital, notamment pour les TPE et les PME en France. Et également, nous les accompagnons également avec un grand chantier qui est le chantier du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est 100 milliards d'investissements jusqu'en 2030. Nous avons lancé une plateforme qui s'appelle CCI Business, qui permet, et là c'est davantage axé autour de tout ce qui va être le Grand Paris, bien sûr à travers les entreprises du secteur du BTP, du bâtiment, mais pas que, les entreprises de services également, où ça met en relation les grands groupes et des TPE et des PME pour pouvoir avoir des appels à projets et pouvoir rentrer effectivement dans ce business et qu'il ne soit pas que pour des grands groupes. À la CCI de Paris, la Chambre de commerce de Paris, nous accompagnons tout type de projet et tout, bien sûr, profil que nous avons, que ce soit homme, femme, jeune, moins jeune, que ce soit un porteur de projet de 18 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans ou de 60 ans, ça arrive, que ce soit en création d'entreprise, que ce soit en développement de l'entreprise ou que ce soit en reprise ou en cession d'entreprise. Donc, on est sur toute cette chaîne d'accompagnement et nous avons également créé, il y a 12 ans, l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui est un dispositif d'accompagnement à travers le mentorat entrepreneurial pour accompagner les entreprises à très fort potentiel de croissance. Donc là, ce sont les entreprises qui ont un minimum de 2, 3, 4, 5 millions d'euros qu'on va accompagner sur 18 mois vers la croissance des entreprises. Les entreprises, certaines sont passées de, par exemple en 2009, de 3 millions à 100 millions en 2015. La démarche est très simple pour rentrer en contact avec la Chambre de commerce de Paris. Vous avez deux moyens, soit vous poussez la porte, soit vous prenez le site internet CCI Paris, CCI 75. Vous allez rentrer sur le portail de la Chambre de commerce de Paris et de Paris-Île-de-France. Vous allez pouvoir rentrer à travers les modules création et à travers également le centre de contact qui nous permet de pouvoir qualifier vos besoins, qualifier vos questions pour pouvoir vous orienter au mieux avec les services qui vont répondre à vos besoins et à vos questions. Vous les rencontrerez et vous rentrerez dans cette grande maison qui est la Chambre de commerce qui accompagne depuis de nombreuses années des milliers et des milliers de chefs d'entreprise, de porteurs de projets, d'entrepreneurs. Dernièrement, comme dans le métro, on en a vu la publicité, c'est les digiteurs que nous avons lancés, donc cette plateforme numérique de transformation digitale. Et nous avons dans chaque CCI départementale créé également ce qu'on appelle les open spots également, qui sont des espaces de coworking où il y a également des formations totalement adaptées à différents sujets, notamment sur la transformation digitale. Ce sont tous les porteurs de projets qui peuvent prendre contact avec la Chambre de commerce de Paris pour être accompagnés, évidemment.